Canal de Panama. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. www.wikipédia.org. Le canal de Panama est un canal important traversant l'isthme de Panama en Amérique centrale, reliant l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Sa construction a été un des projets d'ingénierie les plus difficiles jamais entrepris. Son impact sur le commerce maritime a été considérable, puisque les navires n'ont plus besoin de faire route par le Cap Horn et le passage de Drake à la pointe australe de l'Amérique du Sud. Un navire allant de New York à San Francisco, par le canal, parcourt 9 500 km, moins de la moitié des 22 500 km d'un voyage par le Cap Horn. Bien que le concept d'un canal à Panama remonte au début du XVIe siècle, la première tentative de construction commença en 1880 sous l'impulsion française. Après que cette tentative eut échoué, le travail fut terminé par les États-Unis d'Amérique et le canal ouvrit en 1914. La construction des 77 km du canal a été parsemée de problèmes, incluant des maladies comme le paludisme et la fièvre jaune, et des glissements de terrain. On estime à 27 500 le nombre d'ouvriers qui périrent pendant la construction. Depuis son ouverture, le canal a remporté un énorme succès et continue d'être un point de passage stratégique pour la navigation. Chaque année, le canal permet le passage de plus de 14 000 navires, transportant plus de 203 millions de tonnes de cargaison. Jusqu'à 2002, un total de 800 000 navires étaient passés par le canal. Première partie, description. Le canal de Panama relie le golfe de Panama, dans l'océan Pacifique, à la mer des Caraïbes et à l'Atlantique. La forme de l'isthme de Panama, qui serpente, fait que le canal s'écoule en fait du sud-est, depuis le Pacifique, vers le nord-ouest, en direction de l'Atlantique. Pour éviter toute confusion, les autorités du canal classent les transits en deux catégories. Direction nord, du Pacifique vers l'Atlantique, et direction sud, de l'Atlantique vers le Pacifique. Le canal peut accueillir des bateaux de différentes tailles, allant des yachts privés jusqu'à de gros navires de commerce. Les bateaux ayant la plus grande taille admissible dans le canal sont désignés sous l'appellation Panamax. Un nombre croissant de navires dépasse cette taille. Ils sont appelés post-Panamax. En moyenne, une traversée du canal par un cargo prend environ 9 heures. En 2005, 14 011 navires ont emprunté le canal, représentant un tonnage total de 278,8 millions de tonnes, soit une moyenne de 40 navires par jour. Disposition. Le canal consiste en deux lacs artificiels, plusieurs canaux améliorés et artificiels, et trois ensembles d'écluses. Un lac artificiel supplémentaire, le lac Alajuela, agit comme réservoir. Un navire se rendant du Pacifique à l'Atlantique effectue le parcours suivant. Depuis les bouées qui en marquent l'entrée dans le golfe de Panama jusqu'aux écluses de Miraflores, les navires parcourent 13,2 km dans le canal, passant sous le pont des Amériques. Le système d'écluses de Miraflores fait 1,7 km de long, en incluant les murs d'approche, avec un dénivelé de 7,5 mètres à mi-marée. Le lac artificiel de Miraflores fait 1,7 km et se trouve 16,5 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'écluse de Pedro Miguel, de 1,4 km de long, est la dernière partie de la montée avec un dénivelé de 9,5 mètres. La coupe Gaillard fait 12,6 km de long, à une altitude de 26 mètres, et passe sous le pont Centenaire. La rivière Chagre, Rio Chagres, cours d'eau naturel amélioré par un barrage sur le lac Gatun, parcourt 8,5 km vers l'ouest pour se jeter dans le lac Gatun. Le lac Gatun, un lac artificiel,
formé par le barrage Gatun, transporte les navires sur 24,2 km. Les écluses de Gatun comportent trois étapes pour une longueur totale de 1,9 km et ramènent les navires au niveau de la mer. Un canal de 3,2 km forme l'approche vers les écluses du côté atlantique. La baie Limón, Bahía Limón, un immense port naturel, procure un mouillage pour les navires en attente de transit et fait 8,7 km jusqu'à la digue extérieure. Le transit total depuis l'entrée du canal côté Pacifique jusqu'à la digue du côté Atlantique est de 76,9 km. Le marnage maximum du Pacifique est de 6,55 m, plus 3,35 m à marée haute et moins 3,20 m à marée basse. Le dénivelé à Miraflores varie donc de 13,1 m à la pleine mer à 19,7 m à la basse mer. Du côté atlantique, le marnage n'excède pas 60 cm. Le niveau moyen de la mer du côté pacifique est en moyenne 20 cm plus haut que du côté atlantique. La baie Limón du côté atlantique est un mouillage protégé par une digue. Cependant, sa capacité n'est plus adaptée au nombre et à la taille des navires utilisant le canal. Et de nombreux navires attendent au mouillage en dehors de la baie. Le mouillage côté pacifique est ouvert, mais protégé par la topographie du golfe. Écluse. Voir aussi l'article détaillé Écluse du canal de Panama. Les parties les plus spectaculaires du canal sont les écluses. Celles-ci sont larges de 33,53 m et comportent une longueur utilisable de 304,8 m. La profondeur disponible varie, mais la profondeur minimum est de 12,55 m dans la partie sud des écluses Pedro Miguel. Ces dimensions déterminent la taille maximum des navires, le Panamax. Toutes les écluses du canal vont par paire. Deux séries parallèles d'écluses se trouvent sur chacun des trois sites, autorisant en principe le passage des navires simultanément dans les deux directions. Cependant, les grands navires ne peuvent pas se croiser à grande vitesse dans la coupe Gaillard. En pratique, le trafic est alterné et les deux voies des écluses ne sont utilisées que dans une direction à la fois. Chaque chambre est remplie avec 101 000 mètres cubes d'eau. L'eau entre par gravité, par un réseau de conduites sous chaque chambre. Les navires sont tractés par de petites locomotives, appelées mulas, soit mules, d'après ces animaux utilisés traditionnellement pour tirer des barges, sur des rails disposés sur les murs des écluses. Les plus petits bateaux sont amarrés par des amarres tenues à la main. Les lacs Gatun et Alajuela. Voir aussi l'article détaillé Lac Gatun. Le lac Gatun et la rivière Chagre sont des composants clés du canal, permettant la traversée des navires sur une partie importante de l'isthme. Le lac est également un réservoir, emmagasinant l'eau, permettant aux écluses de fonctionner durant la saison sèche. La formation du lac et l'agrandissement de la rivière ont été effectués grâce au barrage Gatun sous la rivière Chagre. La vallée d'origine a ainsi été inondée. Près d'un siècle plus tard, les souches d'acajou remontent encore à la surface et les troncs à demi submergés peuvent représenter un danger pour les bateaux s'aventurant en dehors des chenaux balisés. Il existe un petit raccourci à travers le lac, appelé la coupe Banana, utilisé par les yachts et les autorités du canal afin d'éviter le trafic important. Plusieurs îles sont situées sur le lac Gatun, dont l'îlot Barro Colorado, abritant l'Institut tropical de recherche du Smithsonian. Le volume d'eau utilisé pour les navires passant les écluses
combinée avec les variations saisonnières des précipitations au Panama, complique le maintien du niveau d'eau du lac Gatun, en particulier pendant la saison sèche. Un barrage supplémentaire, le barrage Madden, a été construit sur la Chagre, créant le lac Alajuela, aussi connu sous le nom de lac Madden, procurant ainsi une réserve d'eau supplémentaire pour le canal. Le franchissement du canal. Il existe plusieurs moyens de franchir le canal. Au sud, côté Pacifique, le pont des Amériques est un pont routier majeur, ouvert en 1962. Pendant de nombreuses années, c'était le seul moyen de franchir le canal. Avant sa construction, le trafic routier empruntait un ferry à ce même endroit. Plus au nord, au niveau des écluses Miraflores, on trouve un pont tournant aux routiers et ferroviaires. Ouvert en 1942, il ne peut fonctionner qu'en l'absence de trafic maritime et est rarement utilisé à présent. Au même endroit, un petit pont routier tournant est intégré dans la structure de l'écluse. Il est également peu utilisé. Le moyen de franchissement le plus récent est le pont centenaire, au-dessus de la coupe Gaillard, au nord des écluses Pedro Miguel. Terminé en 2004 et ouvert au trafic en 2005, il comporte 6 voies pour les automobiles. Enfin, un dernier pont tournant est intégré aux écluses Gatun, utilisable uniquement lorsque les écluses sont fermées et avec une très faible capacité. En plus des franchissements publics, les employés affectés au canal utilisent les portes des écluses lorsqu'elles sont fermées. Deuxième partie, l'histoire du canal. La première mention d'un canal à travers l'isthme remonte à 1534, lorsque Charles Quint suggéra qu'un canal à Panama aiderait le voyage des navires allant au Pérou et en Équateur. Étant donné l'importance stratégique de l'Amérique centrale, en tant que fine portion de terre séparant deux grands océans, d'autres formes de liens commerciaux ont été tentées. Le projet de Darien était tenté par le royaume d'Écosse en 1698 pour créer une route de commerce sur terre, mais a été abandonné en raison des conditions inhospitalières en 1700. Finalement, le chemin de fer du Panama fut construit et ouvert en 1885. Ce lien sur terre facilita grandement le commerce et constitue un élément important de l'établissement du canal. Une route maritime entre les océans était toujours vue comme la solution idéale, et l'idée d'un canal a été ravivée à plusieurs occasions, et par plusieurs routes. Un canal au Nicaragua a été envisagé plusieurs fois. Finalement, suite au succès du canal de Suez, les Français, sous la direction de Ferdinand de Lesseps, commencèrent la construction d'un canal au niveau de la mer, sans écluse, au Panama, le 1er janvier 1880. En 1893, après un travail substantiel, le projet français fut vaincu par la maladie et la difficulté de construire un canal au niveau de la mer. Le grand nombre de morts était un des principaux facteurs de l'échec. Bien qu'aucune donnée officielle ne soit disponible, une estimation donne un chiffre de 22 000 ouvriers morts pendant la principale période de construction, de 1881 à 1889. Les États-Unis, à l'époque de Theodore Roosevelt, rachetèrent l'équipement et les excavations à la France et recommencèrent le travail en 1904, après avoir suscité la sécession du Panama par rapport à la Colombie, en échange du contrôle sur la zone du canal, déclaré par le traité Hay-Bunau-Varilla. Un investissement important fut réalisé pour éliminer les maladies de l'endroit, en particulier le paludisme et la fièvre jaune, dont les causes venaient d'être identifiées. La construction d'un canal en altitude, incluant des écluses, pouvait commencer. Le canal fut officiellement ouvert le 15 août 1914 avec le transit du cargo Ancon,
Le coût des travaux fut 388 millions de dollars de l'époque. Les avancées médicales permirent de réduire les morts durant cette partie de la construction. Toutefois, 5 609 ouvriers moururent pendant la période 1904-1914, amenant le total à 27 500 morts environ. Dans les années 1930, l'approvisionnement en eau apparut comme un problème à moyen terme. Le barrage Madden fut construit sur la rivière Chagre, en amont du lac Gatun. Le barrage, terminé en 1935, créa le lac Alajuela, contenant une réserve d'eau supplémentaire pour le canal. En 1939, la construction d'un nouvel ensemble d'écluses débuta afin de permettre le passage de navires de guerre américains en construction ou en conception. Les travaux durèrent plusieurs années, mais le projet fut annulé après la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, les États-Unis gardèrent le contrôle du canal et la zone l'entourant devint un sujet de dispute avec le Panama. De nombreux Panaméens avaient le sentiment que la zone appartenait légitimement au Panama. Des protestations étudiantes éclatèrent. La zone fut grillagée et la présence militaire renforcée. Les négociations commencèrent en 1914 et eurent pour résultat le traité de Torrijos-Carter, signé par Jimmy Carter et Omar Torrijos le 7 septembre 1977. Il commença la remise du canal du Panama. Bien que controversé aux États-Unis, le traité mena au contrôle complet par le Panama le 31 décembre 1999. Le canal est maintenant dirigé par l'autorité du canal de Panama. Troisième partie, le statut du canal. Bien que rétrocédé au Panama, le canal est toujours considéré comme une voie d'eau intérieure par les États-Unis. Il est ainsi prévu dans le traité de rétrocession que les navires battant pavillon américain ont une priorité de passage sur les autres. Le canal de Panama est, selon l'American Society of Civil Engineers, l'association américaine des ingénieurs en génie civil, l'une des sept merveilles du monde moderne. En 2003, le chiffre d'affaires annuel du canal a dépassé le montant d'un milliard de dollars, pour un bénéfice du tiers. Le projet d'élargissement, d'un coût total de 8 milliards de dollars, permettrait d'accueillir des bâtiments deux fois plus grands que ceux qui transitent aujourd'hui, va être soumis à un référendum des citoyens. Actuellement, 5% du commerce maritime mondial passe par le canal Quatrième de partie. Panama. Les droits de passage. Les droits de passage dans le canal sont décidés par l'autorité et sont basés sur le type de navire, la taille et le type de cargaison. Pour les porte-conteneurs, les droits dépendent du nombre de VP, nombre standardisé de conteneurs. Au 1er mai 2005, le droit était de 42 dollars par EVP, devant monter à 49 dollars le 1er mai 2006 et à 54 dollars le 1er mai 2007. Un porte-conteneur Panamax peut transporter jusqu'à 4 000 conteneurs. Les droits sont réduits pour les navires légers. La plupart des autres navires doivent payer un droit selon leur tonnage, exprimé en tons, correspondant à des volumes de 100 pieds cubes, soit 2,8 mètres cubes. Le calcul lui-même est relativement complexe. En 2006, ce droit est de 2,96 $ pour les premières 10 000 tonnes, de 2,90 $ par tonne pour les 10 000 tonnes suivantes, et de 2,85 $ par tonne ensuite. Comme pour les porte-conteneurs, la taxe est réduite pour les navires légers. Les navires plus petits payent une taxe dépendant de leur longueur. En 2006, cette taxe est de 500 dollars pour une longueur totale inférieure à 15 mètres 240, de 750 dollars
pour une longueur totale inférieure à 24 mètres 384, de 1000 dollars pour une longueur totale inférieure à 30 mètres 480, et de 1500 dollars au-delà d'une longueur totale de 30 mètres 480. La tacle la plus élevée jamais payée à ce jour l'a été le 30 mai 2006 par le porte-conteneur Maersk Delis et s'est élevée à 249 165 dollars. La taxe la moins élevée était de 36 cents, payée par l'aventurier américain Richard Halliburton, qui parcourut le canal à la nage en 1928. La taxe moyenne est de 54 000 dollars. Cinquième partie. Problèmes actuels. Plus de 90 ans après son ouverture, le canal continue de connaître un grand succès et arrive à faire face aux besoins malgré l'évolution exponentielle du commerce maritime. Il existe toutefois un certain nombre de problèmes actuels et potentiels. Efficacité et maintenance. Après le retrait des États-Unis, des doutes sont apparus quant à la capacité des nouveaux propriétaires à maintenir efficacement le canal en fonctionnement. Ces doutes se sont révélés infondés puisque l'efficacité de la gestion du canal semble s'être améliorée sous contrôle panaméen. Une mesure de l'efficacité est le temps moyen mis par un navire pour traverser le canal, dénommé Canal Water Times, CWT. D'après l'ACP, le CWT diminue. Le nombre d'accidents est également ces derniers temps au plus bas. Des volumes croissants de marchandises importées d'Asie, qui étaient auparavant débarqués sur la côte ouest des États-Unis, traversent maintenant le canal pour aller jusqu'à la côte est. Le nombre total de navires ayant emprunté le canal durant l'année fiscale 1999 était de 14 336. Ce chiffre, après être tombé à 13 154 en 2003, en partie en raison de facteurs économiques mondiaux, est remonté à 14 011 en 2005. Cependant, cette évolution s'est doublée d'un accroissement constant de la taille moyenne des navires et du nombre de navires Panamax en transit. Le tonnage est ainsi passé de 227 millions 9 de tonnes en 1999 à 278 millions 8 de tonnes en 2005. Étant donné l'impact négatif des navires de grande taille sur la vitesse de transit, par exemple l'impossibilité de se croiser dans la coupe Gaillard, cette évolution du trafic s'est accompagnée d'un accroissement significatif de la capacité du canal. Le canal affichait un record de trafic le 13 mars 2006 avec 1 070 023 tonnes en transit en un seul jour. L'administration du canal a investi près d'un milliard de dollars dans l'élargissement et la modernisation du canal, dans le but d'accroître la capacité de 20%. L'autorité du canal cite un grand nombre d'améliorations, incluant l'élargissement et la rectification de la coupe Gaillard pour permettre le croisement de gros navires, une plus grande profondeur dans le canal de navigation du lac Gatun pour améliorer l'approvisionnement en eau, et le dragage des entrées atlantiques et pacifiques du canal. Pour cela, de nouveaux navires ont été commandés, une barge de forage, une drague à élinde traînante et un accroissement de la flotte de remorqueurs de 20%. La flotte des locomotives doit aussi être améliorée, 16 km de rails renouvelés et les contrôles des écluses remplacés. Des améliorations ont déjà été effectuées dans le système de gestion du trafic. Le retrait des États-Unis a permis au Panama de vendre de l'électricité produite par les barrages. Seulement 25% de l'énergie produite est nécessaire au fonctionnement du canal. Capacité. Le canal permet à présent le transit de bien plus de navires que prévu par ses concepteurs. En 1934, la capacité maximum du canal était estimé à 80 millions de tonnes par an.
Comme noté plus haut, la capacité gérée en 2005 atteignait 278,8 millions de tonnes, soit plus du triple. Malgré les améliorations apportées, il est prévu que le canal approche bientôt de sa capacité maximale. Une complication supplémentaire est la proportion de navires proches de la taille Panamax en transit qui ne cesse de s'accroître et qui pourrait mener à une réduction du nombre de navires pouvant transiter. Compétition. Bien qu'ayant joui d'une position privilégiée pendant de nombreuses années, le canal fait face à la compétition d'autres routes. Différentes sources spéculent sur la possibilité d'un canal au Mexique ou en Colombie, capable d'accueillir des navires post-Panamax. Et il existe au moins trois propositions pour la construction de liens au Nicaragua. Un canal post-Panamax proposé par le gouvernement et deux propositions privées de voies ferrées reliant les deux côtes. Des critiques ont été émises à propos des augmentations de tarifs du canal, suggérant que le canal de Suez pourrait devenir une alternative viable pour les navires venant d'Asie vers la côte est des États-Unis. La demande pour le canal de Panama ne cesse pourtant d'augmenter. Le taux de fonte des glaces de l'océan Arctique a conduit à plusieurs spéculations sur l'utilisation du passage du Nord-Ouest, en supposant qu'il deviendrait viable à moyen terme. L'utilisation du passage ferait économiser 9 300 km à la route Asie-Europe par rapport au canal de Panama, conduisant à un report possible du trafic vers cette route. La glace continuerait toutefois à poser problème, ainsi que des problèmes territoriaux non résolus. L'approvisionnement en eau. Un problème important est la baisse du niveau moyen dans le lac Gatun, due en grande partie à la déforestation. 197 millions de litres d'eau sont déversés dans la mer chaque fois qu'un navire passe dans le canal. Bien qu'il y ait assez de précipitations pour renouveler l'eau utilisée chaque année, la saison sèche impose d'emmagasiner l'eau. Si le lac Gatun peut stocker l'eau, la forêt tropicale a traditionnellement joué un rôle en absorbant l'eau et en la relâchant progressivement dans le lac. La végétation se réduisant, la pluie s'écoule plus rapidement dans le lac, puis dans l'océan. Pendant la saison sèche, l'eau peut ainsi manquer. Les boues s'écoulent aussi plus rapidement et s'accumulent au fond du lac, réduisant sa capacité. La présence chinoise. Avant la prise de contrôle en 1999 du canal, le gouvernement du Panama avait négocié un contrat de 25 ans pour la gestion des terminaux à conteneurs du canal, principalement deux terminaux aux entrées Pacifique et Atlantique. La négociation s'était effectuée avec une compagnie chinoise, Hutchison Whampoa, basée à Hong Kong, dont le propriétaire Li Ka-ching est l'homme le plus riche de Chine. Certains Américains ont émis des critiques à ce sujet, arguant que cela ouvrirait la voie à une occupation par l'armée chinoise et à la prise de contrôle du canal, ou même la possibilité d'une attaque chinoise vers les États-Unis depuis les ports en question. Le gouvernement des États-Unis répliqua que la Chine n'opérait que dans les ports et non sur le canal, et que le gouvernement américain avait toujours le droit d'intervenir militairement si nécessaire. Sixième partie, le futur du canal. Avec l'accroissement de la demande, le canal reste en position d'élément stratégique du commerce maritime mondial. Cependant, l'augmentation de la taille des navires montre la nécessité de changements à apporter au canal pour qu'il garde sa part de marché. On estime qu'en 2011, 37% des porte-conteneurs seront trop gros pour le canal actuel. La capacité maximale actuelle, moyennant quelques améliorations mineures, est estimée entre 330 et 340 millions de tonnes par an.
Cette capacité devrait être atteinte entre 2009 et 2012. Près de 50% des navires transitant actuellement par le canal utilisent déjà la largeur maximale des écluses. Un projet d'élargissement similaire à celui de 1939, qui pourrait permettre un plus grand trafic, a été considéré. Le 4 avril 2006, la BBC rapporta qu'un projet d'élargissement a été approuvé par le gouvernement du Panama, en attendant une approbation nationale par référendum. Projet d'un troisième ensemble d'écluses. La proposition actuelle concerne deux nouveaux jeux d'écluses. Une à l'est des écluses de Gatun en place, l'autre au sud-ouest des écluses de Miraflores, chacune desservie par un canal d'approche. Chaque ensemble mènera directement du niveau de la mer au niveau du lac Gatun. Le fonctionnement actuel en deux étapes, au niveau des écluses Miraflores-Pedro Miguel, ne sera pas reproduit. Les nouvelles écluses comporteront des portes coulissantes, doublées par sécurité, et seront longues de 427 mètres, larges de 55 mètres et profondes de 18,3 mètres, permettant le transit de navires larges de 49 mètres, d'une longueur de 336 mètres et d'un tirant d'eau de 15 mètres, correspondant à un porte-conteneur de 12 000 EVP. Les canaux d'approche seront longs de 6,2 km à Miraflores, contournant le lac Miraflores. Chaque canal sera large de 218 mètres, ne permettant le trafic que dans un sens, pour les navires post-Panamax. Les autres canaux seront élargis jusqu'à 280 mètres sur les portions droites et 366 mètres sur les courbes. Le niveau maximum du lac Gatun sera élevé de 26,7 mètres à 27,1 mètres. Chaque ensemble d'écluses sera accompagné de 9 bassins de réutilisation d'eau, 3 par chambre. Chaque bassin fera environ 70 mètres de large, 430 mètres de long et 5,5 mètres de profondeur. Alimentés par gravité, ils permettront de réutiliser 60% de l'eau utilisée pendant chaque transit. Les nouvelles écluses consommeront donc 7% de moins d'eau que les actuelles. L'accroissement de profondeur du lac Gatun et la montée de son niveau maximum pourront aussi améliorer la capacité de stockage. Le coût estimé du projet est de 5,25 milliards de dollars. Il permettrait de porter la capacité maximale du canal à 510 millions de tonnes par an en 2025. Les tarifs seraient toujours calculés sur la base du tonnage et non des écluses utilisées. L'ouverture des nouvelles écluses est prévue en 2015. Les anciennes écluses, qui auront alors 100 ans, seront davantage disponibles pour maintenance. On pourra se reporter aux articles connexes Canal de Suez, Transport maritime et Scandale de Panama, ainsi qu'au portail maritime de l'Encyclopédie. Enfin, Wikimedia Commons propose des documents multimédia sur le canal de Panama. Ce texte a été enregistré par Witoki le 17 septembre 2006. Le texte de cet article ainsi que cet enregistrement sonore sont placés sous la GNU Free Documentation License, disponible à l'adresse internet suivante www.gnu.org/copyleft/fdl.html.